Nous allons déjà commencer avec le psaume 32, puisque j'ai pris ce psaume pour ce moment de louange. Je vous invite déjà à vous mettre debout. Mettez-vous debout avec moi. Et voilà ce que dit ce texte. « C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux dérobent, elles ne la t'aideront pas. Tu es un abri pour moi, Seigneur. Tu me préserves de la détresse et tu m'entoures de chants de délivrance. » Toujours ta divine présence jette un rayon, je dirais même pas un rayon, mais illumine carrément mon chemin. Et le cœur joyeux, je peux m'avancer et dire, je n'ai pas peur du lendemain. Méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit, qui est comme toi, ô Éternel. Qui est comme toi?
accomplissant que tes merveilles. Je redirai souvent tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi chaque instant de chaque jour qui passe. Il semblerait qu'il a été chanté à 7-Up, donc je vais entendre tous les jeunes qui étaient présents à 7-Up au moment où ça a été chanté. Je vais entendre aussi les grands jeunes. Avec moi. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. C'est à lui que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et ton cœur, si facile. Silence et tendre, c'est
sur vous. Amen.
nous serons dans ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons dans l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Ainsi.